Contre la Supre, saison 1, raconte l'histoire de trois personnages. Le premier s'appelle Zéphyr, c'est un ado qui n'est pas très concerné, qui ne se sent pas très concerné par la chose politique. Lui, ce qu'il aime, c'est les sensations fortes, c'est d'aller surfer sur la côte ouest du côté de Biarritz tous les étés. Il est en train de veiller sa grand-mère qui est en train de s'éteindre dans une maison de retraite. Sa grand-mère décède, il est très triste, il sort de cette maison de retraite, une berline noire s'arrête devant la maison de retraite, un notaire se trouve à l'intérieur et dit à Zéphyr, montez, votre grand-mère vous a laissé un héritage. Et pour Zéphyr, l'héritage c'est un livret A, c'est vraiment pas grand-chose. Sauf qu'il n'est pas au bout de ses surprises, puisque l'héritage laissé par la grand-mère de Zéphyr, c'est une entreprise qui, sous couvert de faire de la maroquinerie, est en fait une société qui fait des grands hold-up, des casses internationaux, sorte de... ça s'appelle Arsène, comme Arsène Lupin, voilà, évidemment des casses, des hold-up qui servent une cause, qui servent les justes causes, les bonnes causes, et notamment une cause qui tenait au cœur de la grand-mère de Zéphyr, qui est les fausses informations, ce qu'on appelle les fake news ou les infox. Donc Zéphyr, c'est le premier personnage. Le deuxième personnage s'appelle Lisa. C'est la fille du ministre de l'urgence écologique. C'est un personnage très tourmenté au début du roman. Il vient d'apprendre une nouvelle qui l'a absolument bouleversé. Il veut annoncer sa démission. Et lorsqu'il est dans la cour de l'hôtel de Roquelaure et qu'il annonce sa démission, il tombe raide mort. Et sa fille, Lisa, assiste à cette mort en direct à la télé. Et évidemment, elle va vouloir, et on la comprend, elle qui travaille dans les jeux vidéo, qui aime beaucoup les ordinateurs, qui fait un peu de hacking, va vouloir aller évidemment enquêter sur la mort de son père et elle va voir qu'elle va tomber dans une sorte de grand enchaînement de situation où elle va se sentir en danger. Le troisième personnage s'appelle Selma. C'est la dirigeante d'Ananta. Elle est très jeune, elle dirige Ananta, qui est une sorte de mélange entre Google, Facebook, Apple et Amazon, donc une sorte de grand GAFA qui dirige un petit peu le monde numérique, qui est au cœur du monde numérique mondial. Elle a 18 ans, elle dirige ça, et elle va s'apercevoir tout au long de cette saison 1 que le pouvoir d'Ananta, elle n'est peut-être pas au cœur de ce pouvoir et que Ananta est phagocytée par quelque chose. Comme si Ananta prenait le pouvoir lui-même, c'est-à-dire que la société s'autogérait de façon assez incroyable, et elle va mener l'enquête et plonger au cœur de cette société qu'elle ne connaissait pas véritablement. Elle va s'apercevoir de ça. Et ces trois personnages, qui au départ évidemment ne devaient pas se rencontrer, vont se croiser, leurs routes vont se croiser tout au long de cette saison. Alors Contre la Supre va se décliner tout au long de 8 semaines. Chaque vendredi à midi, nous allons mettre en ligne un épisode. Alors c'est vrai qu'on utilise un peu ce vocable de série, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le faire, ni honte d'ailleurs, quand on parle de livres, parce qu'aujourd'hui, au fond, les livres sont en concurrence directe avec tout ce qu'on peut voir comme série et tout ce qui est Netflix, les plateformes de vidéo à la demande. Donc nous, on a décidé d'utiliser, voilà, de dire Contre la Supre saison 1, épisode 1, épisode 2. Donc un épisode chaque semaine à midi le vendredi. Et la petite particularité, c'est qu'il y aura évidemment une lecture, mais une interaction à la fin de chaque épisode. C'est-à-dire qu'on va demander au lecteur de ne pas être simplement lecteur passif, mais lecteur actif. Et à la fin de l'épisode 1, par exemple, on va lui demander quel personnage veut-il retrouver dans l'épisode 2. Ça, c'est une des interactions. Il y aura une interaction où on va carrément lui demander de créer un personnage. Et là, c'est un personnage qu'on retrouvera dans l'épisode suivant. On va lui demander, voilà, de réagir à certains éléments. Et donc, le roman va se construire au fur et à mesure de sa parution. Et les lecteurs vont véritablement avoir la possibilité d'influencer le roman donc, tout au long de ces 8 semaines. Ça nécessite, pour moi, évidemment, beaucoup de réactivité. D'ailleurs, tous les mercredis midi, c'est-à-dire en fait les votes se clôtureront le mardi. Moi, tous les mercredis, je ferai une vidéo. On postera sur Instagram et sur le site de Contre la Supre une vidéo
où je commente, où je parle, je m'adresse au lecteur sur le choix donc majoritaire que les lecteurs ont fait. Et puis, donc le vendredi arrivera le nouvel épisode amendé, donc complété, écrit en fonction de ce qui a été décidé par la communauté des lecteurs tout au long de ces 4 jours de vote. Voilà. Et ça va durer 8 semaines. Il y aura ensuite une période qui va me permettre de terminer le roman, c'est-à-dire que les 8 épisodes seront, je vois ça un peu comme les 2/3 du roman, le dernier tiers va être écrit, je vais l'écrire en fonction de ce qu'on va faire avec les lecteurs, tout ce qu'on va se dire, tout ce qu'on va échanger avec les lecteurs donc, tout au long de ces 8 semaines. Et le 19 juin, on retrouvera en librairie le livre papier, cette fois, avec le récit complet, et, ainsi que très certainement un making-of à la fin du livre qui permettra au lecteur de voir aussi comment cette aventure, parce que c'est une vraie aventure, on se lance un petit peu dans l'inconnu, que ce soit de mon côté, que ce soit du côté de mes éditrices, comment cette aventure a fonctionné, cette aventure a été gérée tout au long de ces mois. Alors on peut suivre l'aventure Contrôle Alt Supre sur différents supports. Le premier support, j'allais dire le plus commode, c'est Instagram. Donc sur l'appli ou sur le site web, ça permet de lire. Alors le Casterman a très bien fait les choses. En fait, Instagram, c'est les stories. Chaque page dure 15 secondes. Et si on met un petit peu plus que 15 secondes pour lire la page, c'est pas grave. Il y a une empreinte digitale en bas à droite de la page. On pose son doigt sur l'empreinte digitale et là, la story s'arrête et donc on a tout le temps de lire sa page tranquillement. Voilà. Donc on a une facilité de lecture sur Instagram et on peut retrouver aussi le récit sur contrôle-alt-supre-le-livre qui est un mini-site issu du site Casterman et où on retrouvera semaine après semaine les épisodes. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les épisodes seront toujours en ligne, c'est-à-dire que si le lecteur qui arrive, et on en est déjà à l'épisode 4, et il n'a pas lu le 1, le 2 et le 3, il pourra évidemment rattraper son retard et nous rejoindre dans cette aventure en cours de route. Voilà. Et pour voter, à la fin de chaque story, y a des boutons de vote. Hein, et puis si c'est un petit peu plus compliqué qu'un vote binaire, oui ou non, ou un personnage, on a un espace de commentaires. Et donc les lecteurs peuvent laisser tous les commentaires qu'ils souhaitent sur le fil Instagram. Alors on sortait de la trilogie L'archipel avec donc mes éditrices de Casterman et on avait très envie de continuer à travailler ensemble, mais on s'est dit voilà, on est sur des habitudes de lecture qui changent. Je parlais tout à l'heure des séries qui sont véritablement des concurrents maintenant pour le livre et des jeunes qui lisent beaucoup sur écran. Moi je fais beaucoup de rencontres scolaires et dans une classe il y a toujours un noyau dur de lecteurs qui adorent le livre papier, qui sont fans de livre papier, qui sont fans de la lecture, et il y a toute une part de non-lecteurs, mais on sait bien que il n'y a pas de non-lecteurs, il y a des lecteurs qui s'ignorent, et nous ce qu'on voulait avec ce projet c'est véritablement aller chercher ces non-lecteurs, c'est-à-dire des jeunes qui ne vont pas forcément aller en librairie, qui ne vont pas aller en bibliothèque, qui ne vont pas prendre un livre, mais qui lisent énormément sur écran. Et le format de Contrôle Alt Supre, c'est vraiment de la lecture, au départ c'est de la lecture sur écran. Donc ils peuvent, au même titre que regarder une vidéo sur leur portable ou alors aller écrire des messages sur les réseaux sociaux, ils peuvent aller lire l'épisode de Contrôle Alt Supre. Voilà. Donc c'est un vrai travail numérique, c'est une vraie lecture numérique, et puis après, l'idée, c'est que si ils embrayent, ils deviennent addicts à l'histoire, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'avec des mots, des phrases, on peut avoir cette même addiction par le suspense, par l'attachement au personnage que quand on regarde une série chez soi, eh bien, ils pourront aller vers le livre papier où ils auront l'histoire complète ainsi que tout ce qui a été du making-of et de la préparation du roman. Et ce que ça change pour moi en termes d'écriture, c'est une réactivité évidemment beaucoup plus importante. Moi, quand j'écris un roman, comment j'ai écrit mon roman L'Archipel, enfin la trilogie L'Archipel, je proposais une histoire à mes éditrices qui me disaient « Ok, on va comme ça ».
prenait 3 mois, je l'écrivais, je le rendais, et après, voilà, on avait phase de correction, enfin, habituellement, tout ce qu'on fait d'habitude. Là, c'est vraiment presque du temps réel, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en écriture le chapitre, alors même si, évidemment, j'ai déjà plein de choses en tête, et j'ai déjà travaillé sur des canevas, sur des passages qui sont déjà écrits, mais il va falloir être très agile là-dessus. Mais moi, j'avais aussi envie, je pense que quand on est auteur, on aime aussi se fixer des défis. Ça peut être des défis que je me pose à chaque livre, c'est de faire mieux, de trouver des intrigues encore plus intéressantes, de travailler aussi mon style d'écriture. Bon. Mais c'est aussi peut-être se lancer des défis encore un petit peu plus spécifiques. Et l'aventure contre le sucre, là on est vraiment dedans, on est vraiment sur un défi de dire on écrit presque quelque chose en temps réel avec une communauté, avec un lectorat. Et au fond, j'ai beaucoup cette question, notamment de journalistes qui me disent mais est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre âme d'auteur? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un auteur, c'est quelqu'un qui a des choses à dire, peut-être des messages à faire passer, etc. Est-ce que là, vous n'allez pas, au fond, être trop influencé par vos lecteurs? Mais en réalité, chaque auteur l'est forcément, à moins de se couper complètement de ses lecteurs. Mais moi, quand je fais des interventions scolaires, quand je vais dans des salons, quand je fais des dédicaces en librairie, j'ai des lecteurs qui viennent me parler. Et ils me disent beaucoup de choses sur mes livres. C'est pas en temps réel, c'est pas peut-être par les réseaux sociaux, quoique je laisse aussi moi mon mail à la fin de chaque livre et je reçois aussi beaucoup de mails de lecteurs qui commentent mes livres. Mais tout ce qu'on peut avoir, ce contact avec le lecteur, au fond, ça influence peut-être pas le livre en cours, ça c'est sûr, mais ça influence le livre à venir. Et donc, moi ça ne me gêne absolument pas, c'est une expérience, on va aller jusqu'au bout, j'espère qu'on va... mettre derrière nous voilà, le plus de lecteurs possible et à la fin on va j'espère aboutir à un roman encore plus fort que les précédents.